Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo dans la série Je bricole. J'en ai déjà fait en quelque sorte des bouts, puisque c'est des ATC. J'avais déjà fait une partie où je préparais les bases, etc. Et j'ai continué. Et là, j'ai tout préparé. Je vous avais dit que j'allais faire sur le thème de la mode, plus sur les années 20, 30, enfin voilà, c'est dans ces années-là. Et je fais un peu homme-femme. Je vous ai montré, je vous avais montré des images que j'avais imprimées, découpées, etc., ancrées. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas terminé, hein. Mais donc la base noire que j'avais découpée avec vous. Ensuite, ça, c'est des fonds que j'ai imprimés qui ont un rapport avec la mode. Voilà, que j'ai recoupé. Donc, une ATC, c'est toujours la taille 6,4 sur 8,9. Ensuite, le matage, j'ai enlevé à peu près 2 mm, hein, pour que ça fasse un tout petit bord noir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit quand même là. Voilà, donc j'avais tout collé. J'en ai plein, hein. J'en ai au moins 16 ou 17 que j'ai faites. Et j'ai été donc déjà, j'ai préparé sur chacune. J'ai été voir les personnages qui pouvaient faire joli, etc. Donc là, j'étais en train de coller les personnages et je me suis dit, une petite vidéo, c'est pas mal quand même. Voilà, donc bah, je vais coller avec vous, puisque je vous dis, j'ai déjà préparé, voyez, celle-ci. Voilà, j'ai préparé des modèles différents que je vais coller. Voilà, par contre, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ce soit plus... par contre, en essayant de ne pas oublier que j'ai zoomé, bien sûr. C'est juste pour que vous voyez mieux. Ouais, là, c'est peut-être mieux. Je vais essayer de rester toujours dans cet en quoi que je me dis peut-être. Alors, attendez. Est-ce que si je mets... Hop, voilà. Est-ce qu'on voit bien avec ça? Comme ça, oui, comme ça, ça me permet de savoir qu'il faut toujours que je reste là-dessus. Voilà, donc là, je vais coller avec... Alors ça, c'est de la colle blanche, hein, de chez Action. Hop, j'ai rempli mes flacons, je sais plus, dimanche peut-être. J'en avais plusieurs qui traînaient, j'ai lavé, j'ai enlevé la colle qui était dedans... ça bouchait un petit peu, donc j'ai tout enlevé, nettoyé, etc. et rempli à nouveau avec de la bonne colle. Voilà, donc voici un, celle-ci. Alors, j'avais fait avec vous, hein, quand je les avais découpés, j'avais tout ancré. Voilà. Voilà, hop, je vais en mettre un peu, j'ai pas d'idée précise, hein. C'est comme une revue de mode, enfin voilà, hein, les mannequins en quelque sorte, ils sont mis un peu n'importe comment, si on veut, c'est pas n'importe comment, mais je veux dire, des fois c'est superposé, c'est voilà, il n'y a pas de, voilà, je fais exactement pareil. Là, je vais couper là ce qui dépasse, parce que mes mannequins, ils sont un peu plus grands que mes ATC. Donc, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que je n'ai pas pensé que quand je coupe, ça va se voir. Voilà. Donc là, un petit bout de colle. Voilà. Mon chiffon. Et voilà. Oh zut. Et donc voilà encore une autre. Oula, j'ai oublié que j'avais zoomé, vous voyez. C'est pas grave. Hop, je me suis rendu compte tout de suite. Alors, je vais continuer. Hop, je vais faire celle-là qui est là. Allez, on colle. Hop. Alors aujourd'hui, on est
On est le 1er mai. Voilà, on est 1er mai. J'étais rechercher ma copine au bus. Et puis là, hop, elle regarde la télé. Elle regarde un truc. Et moi, bah du coup, je suis dans ma petite salle de jeu. Je m'amuse. Chacun s'en kiffe. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça. Et il fait moche. Voilà, il pleut. Alors, dire qu'hier, j'avais été donc à Nantes. Oh, j'étais d'ailleurs. Oh, j'étais contente. Figurez-vous que... Alors, pour celles qui connaissent Nantes, voilà, vous avez un très, très beau jardin des plantes à côté de la gare. Franchement, c'est trop beau. Je me suis baladée avec ma fille dans Nantes, du coup. Enfin, autour de la gare. Hein, la basilique, y avait le cimetière, le jardin. Enfin, bref. Et... À un moment donné, on s'était assis sur un banc. Voilà, et puis on a mangé notre petit sandwich. Et en partant, figurez-vous que j'ai eu la bonne idée. J'y pense jamais. Là, j'y ai pensé de laisser une petite chenille. Voilà, je me suis dit, bon, allez, je vais à Nantes. Je vais en laisser une quand même. Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, j'ai vu sur mon Facebook que quelqu'un l'a trouvé et qui a eu la gentillesse de mettre une photo, en fait, avec ma petite chenille. Alors, du coup, j'étais toute contente, voilà. Parce que jusqu'à présent, ma sœur, plusieurs fois, elle en a laissé des chenilles sur Dinard, sur... des endroits où elle a été et des fois elle me dit oh ben j'emmène comme ça j'en mets là-bas. Je dis, ouais pourquoi pas hein, c'est gentil. Et jusqu'à présent j'avais pas eu du tout de retour sur des chenilles mises loin en fait. J'en ai eu pas mal de retours sur dans mon secteur sur Le Mans où vers où j'ai vraiment pas loin d'où j'habite en fait. Et j'en avais pas eu voilà. Et là, le toit, ben, elle en a mis aussi en Italie. Là, je suis un peu plus... Parce que, comment dire, celle qu'elle a mis en Italie, ben, c'est quand il y a eu ce problème avec ce fameux groupe qui n'est pas généreux du tout et qui m'a, comment dire, qui m'a banni, c'est le cas de le dire. Hein. Je ne peux même plus y accéder du tout, du tout. Et du coup, je pense qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a dû mettre. Mais bon, je ne le verrai pas. C'est pas grave. Mais là, pour le coup, j'étais super contente pour celle de Nantes. Donc, hop. Et donc, dans le groupe, hein, là, c'est le groupe Petite Chenille du Bonheur. Après, je fais aussi partie du groupe Chenille du Bonheur, tout simplement. Les deux, j'aime bien. Mais c'est vrai que sur mon papier, bon, j'ai mis la petite Chenille du Bonheur. Alors, voilà. Mais je me demande si je vais peut-être pas changer mes petits... si je vais pas mettre les deux. Parce que j'aime bien les deux. En quelque sorte, pour faire comme de la publicité pour les deux. Puisque... jusqu'à présent, j'ai pas vu d'histoire dans ces groupes-là. Ça a l'air tout fait avec gentillesse, donc ça me plaît bien. Voilà. Hop. Je continue à faire à coller mes petits trucs. Alors là, je fais homme et femme. Voilà. Je mets les deux. Voilà. J'ai trouvé ça marrant de mettre un petit peu hop, voilà, de mettre des deux. Donc vous voyez, donc j'étais hyper contente. Voilà. Il m'en faut peu, hein. Mais hop, non, j'avais dit que j'allais mettre là-haut. Voilà. Hop là. Là, j'essaye de faire mes quelques
ATC que ça fait un moment que je vous ai dit que j'allais en faire pour après le concours de pouvoir les proposer à l'échange dans une vidéo, hein, donc ne vous inquiétez pas, je préviendrai le moment venu. Voilà, pour l'instant, non, pour l'instant, je fais, c'est tout. Voilà, je les prépare, je fais et on verra après. Parce que je peux pas tout gérer en fait. Je peux pas gérer et le concours et les vacances. Et... Non. Chaque chose à la fois. Donc là, pour l'instant, voilà, je fais mes... Oups. Oups, ça colle vite, dis donc. Voilà. Hop. Et celui-là. Oh. Donc on verra tout ça. Je pense que si je le fais avant vraiment les vacances, ça va être au mois de juin. Voilà, fin juin, enfin à partir de mi-juin. Mais bon, c'est pas sûr, hein, parce que comme je vous dis, je promets rien. Comme ça, je ferai au fur et à mesure. Voilà. J'aime vraiment beaucoup mes petites ATC. Dire, j'y ai passé du temps pour chercher les images, ensuite découper, ancrer. C'est long, hein? Voilà. Encore une autre. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo de mettre des couples. C'est pas comment dire, la mode homme, c'est plus difficile en fait de trouver des images, je trouve, d'hommes qu'on peut bien découper, enfin, et de bonne qualité en fait. Parce que c'est surtout ça, il faut qu'elles soient de bonne qualité pour qu'on puisse bien les imprimer. Mais je trouve que... Ouais, c'est comme s'il y avait moins de vêtements de mode d'homme. Je sais pas, ou peut-être que les femmes, il y avait plus dans les catalogues, je sais pas. Mais j'ai eu plus de mal. J'en ai, hein, mais en fait, je pensais en trouver plus. Oh, ça c'est pas beau, ça, comme ça. Obligée de couper parce que les pieds, je suis désolée pour les petites dames, hein, elles ont pas de pieds, mais hop là, voilà. Donc voilà, non, mais regardez, oh, j'aime bien, voilà, comme ça, hop, encore. Oh, quel temps quand je regarde dehors là, quand je pense hier, il faisait si beau, j'ai eu chaud hier. Avec ma fille, pourtant, au début, je ne pensais pas du tout qu'il allait faire un temps comme ça. J'avais cru voir qu'il allait avoir peut-être même un peu de flotte. Et en réalité, rien du tout. On a eu tout le temps un ciel bleu, mais bleu et chaud. Surtout chaud. Alors on est parti, forcément, on peut pas se dire, oh non, on n'emmène pas de manteau, des trucs comme ça. Parce qu'on se disait, s'il fait froid, il vaut mieux qu'on ait trop chaud que froid, hein, parce que froid, c'est pour attraper la crève. Donc, bah, avec nos manteaux, vu qu'on ne pensait pas qu'il allait faire si chaud, bah, je peux vous dire qu'on a transpiré. Et vu qu'on a fait, on a calculé, on a fait plus de 10 km à pied hier. D'après mon logiciel à moi, on a fait 10 500. Et d'après celui de ma fille, alors c'est rigolo quand même, hein. Ça fait 11 et des poussières. Pourtant, on a marché pareil. Mais je ne sais pas pourquoi. On a le même logiciel, on n'a pas le même téléphone. Et eh ben elle c'est 11, moi c'est ouais. Enfin, j'avais quand même
d'une manière ou d'une autre, ça faisait quand même, voilà, tout ça, des kilomètres à pied. Autant vous dire que hier soir, j'étais fatiguée. Vraiment, vraiment fatiguée. Oups, j'ai oublié. J'espère que je ne me suis pas trop enlevée. Là, j'allais oublier que j'avais zoomé, vous voyez. Hop. Je devrais peut-être vous les mettre comme ça, quand même, pour que vous puissiez mieux les voir, au fur et à mesure que je les fais. Hop. Là. Et je continue. Alors, je suis en train de me dire, je vais peut-être couper tout de suite. Eh oui, je vais faire ça. Je vais couper tout de suite. Voilà. 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 Là, et là, celle-ci. Bon, voilà, je vais peut-être arrêter ma vidéo parce que, en fait, je n'ai pas grand-chose à vous raconter, en fait. On causera un petit peu plus dimanche parce que là... Parce que j'ai mon, ça y est, j'ai mon visa, j'ai le billet d'avion. Voilà, il n'y a plus qu'à préparer la valise. Voilà. Ah si, ma voiture, ça y est aussi, je vais la récupérer demain soir. Voilà, demain soir, hop. Comment dire ça, toutes les petites choses se mettent en place. Doucement, mais sûrement. Hop. Alors, comment je vais faire? Hop, je vais peut-être couper là. Parce qu'au début, hein, pour la voiture, c'était pas... Mais c'est bon, tout est bon. Hop. Là. Voilà. Donc, ouais, hier j'ai pensé à. Mince, c'est Marie-Noël. Oui, si je. Moi, je suis désolée, mais des fois je perds vos prénoms, je sais plus qui que quoi. Mais si, c'est Marie-Noël qui m'avait proposé si. Comment dire, si j'avais besoin, quand je suis allée sur Nantes, elle m'avait proposé de me récupérer pour m'emmener où je devais aller, en fait. Ce qui était très gentil. C'est vrai que c'était vraiment adorable, mais je n'ai pas eu besoin. En plus, de la gare jusqu'au consulat, vraiment, c'était pas long du tout. Il y en avait pour un quart d'heure. Eux, ils disaient 24 minutes à pied. Il n'y a pas 24 minutes, il y a un quart d'heure à pied, en fait. Hein. Donc, il n'y avait pas eu besoin. Mais c'est vrai qu'hier, pendant que j'étais au jardin avec ma fille, qu'on était assise, je disais à ma fille, j'ai dit c'est bête parce que, en fin de compte, la dernière fois, ce n'était pas possible parce que le temps, on était très, très serré dans le temps. Mais là, on aurait eu largement le temps de boire un petit café ensemble, en fait. Mais j'y ai pensé une fois que j'étais là-bas. Parce que j'étais... J'y ai pas pensé du tout quand on est parti d'ici. Parce que on a pris le train de 8h... Et quelques, on est arrivé sur Nantes à 10h. Et le rendez-vous, il était à 1h30. Alors, vous voyez, on avait du temps. C'est pour ça qu'on a eu le temps d'aller se balader, etc. Et qu'on a pu faire les 10 km à pied en se promenant, en fait. Et c'est vrai que je disais à ma fille, je dis c'est bête parce que si j'y avais pensé, ben, j'aurais pu proposer à Marie-Noël de venir,
de boire un café, en fait. Je pourrais ce soir aller boire un petit café, mais bon, maintenant c'est trop tard. Hein, parce que c'est. La prochaine fois, on ne sait pas, hein, si je retourne en Algérie, qu'il faut à nouveau le visa, je retournerai à Nantes, donc voir à ce moment-là. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout. Et puis, à force des fois de courir, de penser à ceci, à cela, ben, on oublie des choses. Mais là, c'est vrai que c'était, on aurait pu, j'avais largement le temps. Tout autant la première fois, non, c'était juste. Mais là, en tout cas, c'était super gentil de m'avoir proposé justement de me récupérer à la gare et de m'emmener. C'était adorable. Mais bon, c'est vrai que c'était, franchement, c'était à côté. C'est pas loin de la gare. Pas loin de la gare, et le fait de marcher, bah, ça nous a fait découvrir des choses, hein. La basilique, je crois, celle qui a été toute refaite là, qui est justement du côté du consulat. Le cimetière aussi, qui est marrant, qui avait la tombe du, comme ma fille elle disait, le papa de Pollux, du manège enchanté. On a vu, enfin, on s'est baladé là-dedans. Par contre, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme avion? Oh, je sais pas, le temps qu'on était là-bas, je sais pas, il y avait une fête, je sais pas. Mais j'avais l'impression que tous les 5 minutes, il y avait un avion qui passait. Je me suis dit, les gens qui habitent, parce qu'on entend bien quand même, hein. Après, peut-être qu'une fois qu'on est habitué, on fait plus attention. Hop. Et ben voilà. Quand je pense qu'aujourd'hui, mon fils, il voulait bricoler dans le jardin, on avait des choses à planter, qu'on a acheté. Là, je pense qu'on peut le faire. Il y a les pieds de tomates. Il a pris des poivrons. On a pris des salades à repiquer aussi. Et du coup, il voulait faire ça. Et hop, il pleut. Hier et avant-hier, il faisait beau, hein. Il a tout tendu, tout mon jardin, il est tout beau. Il y a plein de roses qui commencent à ouvrir de partout. C'est vraiment le moment que je préfère dans le jardin. Hop, maintenant la petite dame avec son ombrelle. Écoutez, je pense que je vais arrêter ma vidéo là parce que bon, après au bout d'un moment, ça doit pas être intéressant non plus pour vous. En plus, je sais même pas si je me mets pas hors champ quelquefois. Parce que, comme j'avais. Ouais, ben oui, voilà. C'est tout à fait ça. Donc ouais. Donc je vais arrêter la petite vidéo. Je m'excuse les fois où j'étais vraiment hors champ. Mais je voulais que vous voyiez de plus près. Et puis au final, c'était pas une si bonne idée que ça, en fait. J'aurais dû. Après, bon, c'est rien ce que je fais, hein. Il n'y a rien de spécial. Puisque au fur et à mesure, je vous les mettais là. Donc vous les voyez quand même bien, hein. Mais c'est vrai que le but. Bon, c'était quand même. J'avais mis le. Bon, ce que je vais faire. Oui, j'avais zoomé justement pour que vous puissiez. Hop, je coupe bien comme il faut. Voilà. Pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et je ne suis pas certaine que ça a été le cas. Parce que je crois qu'il y a eu bien des fois où je vous ai oublié. Je suis désolée.
Et donc, hop, voilà. Hop, je vous ai dit que j'allais vous abandonner. Et tout compte fait, je continue. C'est bien du mois, ça. Mais, quoique, j'en ai plus. Oh, je vais faire jusqu'au bout avec vous. Allez, il m'en reste plus que 3, je crois. Bon, 3, je peux bien faire. Vous pouvez attendre un petit peu. Comme ça, je vous les montrerai tout ce que ça donne, tout collé. Voilà, encore une. Non, mais je les aime vraiment beaucoup, mes petites ATC. Je suis hyper contente des images que j'ai trouvées. Hop. Voilà. C'est vrai que le fait de le faire avec vous, même si je cause pas beaucoup, ben ça me tient compagnie. Voilà. Et en plus, comme ça, et ben ça me fait une petite vidéo pour les prochains jours. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas du tout riche en vidéo. C'est sûr que il va avoir beaucoup de jours sans vidéo, je pense. Parce que le temps, il passe vite et j'ai le temps de... Je sais pas comment je fais, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'aurais voulu. Voilà. Enfin, je pensais avoir... comment dire ça, à cette époque-ci, là, je pensais avoir déjà au moins une bonne dizaine de vidéos d'avance. Comme ça, d'ici que je parte, en faisant régulièrement, j'en aurais eu pour presque tout le temps que je serais absente. Mais du coup, non, ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu. Pas du tout. Je ne sais pas comment. Ouais, je ne sais pas comment je fais des fois. Heureusement que je suis à la retraite, hein, je vous le dis. Hein. C'est quand je vois les copinettes qui ont des enfants. À chaque fois qu'elles s'absentent, on ne se rend même pas compte qu'elles sont absentes. Elles ont des vidéos pour tous les jours. Elles sont absentes un mois. Pendant un mois, il y a des vidéos tous les jours. On se rend même pas compte. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? J'ai fini! Ben, je suis contente quand même. Hop, alors, là. Là, j'ai tous les petits pieds des petites dames. Hop. J'aurais pu faire que avec les pieds. Hop, là. Voilà, maintenant, je vais vous montrer. Alors, il va avoir deux styles, en fait. Hop. Il va avoir une série... Où c'est des couples, enfin où il y a homme-femme. Voilà, comme là, hop, là, là, là. Alors, est-ce que j'ai... Oui, là aussi. Celle-là, là, 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 là. Et après, c'est tout. Après, c'est que des femmes. Je vais essayer de les mettre toutes pour que vous les voyez. Mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas à l'échange. Hein, là, pour l'instant, elles seront après. Pour l'instant, je me contente de les faire, de les préparer. Et je dois encore faire le verso. Hop. Et voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, donc 15, 16, 17. 17. Ah, bon, je croyais qu'il y en avait 18. Comme normalement, il y avait 8 comme ça. Et dans cela, il y avait 18, 16, 17. Bah, si, c'est ça, c'est 17. Bah, si, je voyais, je vous dis des bêtises. Donc, bah, regardez, voilà, toutes mes petites ATC. Hop là, je ne sais pas trop comment vous voulez, si vous arrivez à bien. Ah, je vais voir. Voilà. Bon, moi, j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis, c'est une petite vidéo. Hein, voilà.
Je vais essayer d'en approcher. Il y en a que vous ne verrez pas, mais il y en a d'autres que vous allez voir. Voilà, mes petites images. Écoutez, sur ce, voilà, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.